Salut à tous. Alors aujourd'hui, nous allons pêcher sur la Sambre. Alors c'est un canal, moi c'est une rivière assez cool parce que il y a beaucoup de poissons, beaucoup de brènes dedans. Donc on va essayer de les pêcher. Bon, c'est pas toujours évident, bien sûr. Il y a du courant. Bon, ça va être une pêche avec des flotteurs qui varient de 3 à 10 grammes, dont des flotteurs Nautilus. Donc on va voir ce que ça donne. Là, je vais procéder bientôt à l'amorçage et puis on se reprend tout à l'heure. Salut. Alors ça c'est l'amorce avec laquelle j'ai fait la vidéo la dernière fois. Donc voilà. Et puis après, il y a... Et là c'est la fumette. Donc elle va servir à tracer. Voilà. Voilà, allez, à tout de suite. Et rubis rouge, voilà, tout simplement. J'ai pas de fouille, j'ai pas de verre de vase. Bon, c'est bien, bien. Je laisse un petit peu avant parce que ça descend un peu hein, donc hop, et un petit peu au-dessus. Faut quand je dois rallonger. Ça arrive plus souvent qu'à l'autre tour. Hop, maintenant je vais mettre un petit peu de fumette. Ça j'en mettrai. C'est tout. Heureusement que ça quitte cap. Trois boules suffiront. Voilà. Un beau bébé. Putain. Attention.
T'as passé dessus, quoi? Non. Il passait tout juste. Waouh! Bon morceau, hein? Putain, elle est. J'ai quand même pas eu de chance, il a juste cassé au nœud. Oh. Ah. Elle te l'avait rafalé. Elles sont tellement grosses les brèmes, elles sont tellement puissantes que 12-16 ça tient pas la route. Salut à tous, alors aujourd'hui nous allons pêcher sur la Sambre. Alors c'est un canal, ouais, c'est une rivière assez assez cool parce que il y a beaucoup de poissons, beaucoup de brèmes dedans, donc on va essayer de les pêcher. Bon, c'est pas toujours évident bien sûr, il y a du courant, bon ça va être une pêche avec des flotteurs qui varient de 3 à 10 grammes, dont des flotteurs Nautilus. Donc on va voir ce que ça donne. Là je vais procéder bientôt à l'amorçage et puis on se reprend tout à l'heure. Salut. Wow. Alors ça c'est l'amorce avec laquelle j'ai fait la vidéo la dernière fois. Donc voilà. Et puis après, il y a... Et là c'est la fumette. Donc elle va servir à tracer. Voilà. Voilà, allez, à tout de suite. Et rubis rouge, voilà, tout simplement. J'ai pas de fouille, j'ai pas de verre de vase. Bon, c'est bien. Encore un beau poisson. Hein. T'as qu'à l'esprit épaisse. J'arrive même pas à attraper dans ta main, tellement qu'elle est grosse. Waouh. Juste un petit peu avant parce que ça descend un peu. Là. Nickel. Et le bruit. Ça, ça arrive tout souvent à l'autre tour. Hop, maintenant je vais être un petit peu de fumette. Ça, j'en mettrai. C'est tout. Heureusement que ça quitte carte. Quand même, mon bébé. Voilà. Wow. Un beau bébé, encore un beau poisson. Hein. T'as qu'à l'esprit épaisse.
J'arrive même pas à attraper dans ta main, tellement qu'elle est grosse. Waouh. Magnifique. Nickel. Des nouveaux. Ma tête. Encore un beau poisson. Hein. T'as qu'à l'esprit épaisse. J'arrive même pas à attraper dans ta main, tellement qu'elle est grosse. Waouh. Magnifique. Nickel. Et le bruit. Encore un beau bébé. La troisième, même pas 10 minutes. Hein. C'est un professionnel. Ouais, un petit peu plus petite, mais elle est quand même bien. Ouais, mais de toute façon, on va pas se plaindre. Hein. Waouh. Beaucoup plus petit. Hein. Ah ouais. Les petits à part des gros. Bon, ça va. Hein. De quoi? C'est la plus petite, c'est de la plus grosse. T'as cru que c'était un gros. Et au final, c'est un petit. C'est la surprise. Il faut pas les sous-estimer en fait.
sauté, putain. C'est même très bien, ça. J'avais vu que c'était une couverture. Piqué juste au bord. Hein. Et là, il fallait pas la louper. ICO, ICO. Vérifie qu'il n'y en a plus du tout. C'est quand même pas mal là déjà. Rien qu'à voir dans l'eau. Bon, il y a 3 heures de pêche à peu près. Ouais. Alors voilà. Donc des beaux poissons. Faut pas 10 kilos quoi. En 3 heures, donc c'est très bien. Bon, alors, comme je vous disais, c'est une pêche assez compliquée. Bah, alors ils craignent rien, ils sont dans l'eau. C'est une pêche assez compliquée, pourquoi? Parce que de 1, j'ai fait de la morse traçante, mais j'avais pas de terre, j'avais pas de fouillis. Donc, je pense avec de la terre, du fouillis, j'aurais pu faire beaucoup plus, même en 3 heures. Ensuite, ce qui a bien marché, là, c'était à 6 grammes à bloquer avec une traîne à peu près dans 15 en 20 cm. Il n'y a que ça qui marchait. Les autres, les lignes passaient trop vite, donc c'est pour ça que vous avez 2-3 gardons, mais je les ai pas pêchés parce que c'était pas ce que je recherchais. Donc voilà. Donc moi, ma petite caméraman, là, Coralie, on est bien content, on viendra, on fera d'autres poissons. Bon, c'est quand même des beaux bébés, hein, c'est pas. Ah, c'est pas du petit poissonnet. Grave. Et elles sont bien vivantes. Voilà, ils attendent qu'on les remette à l'eau. Allez, on va mettre ça à l'eau.